corrompus par leur long voyage, les membres de la compagnie émergèrent du défilé secret à proximité de Foncombe, la dernière maison simple à l'est de la mer. C'est là qu'ils sollicitèrent l'aide du seigneur Elrond, l'un des rares elfes en mesure de leur révéler les secrets de la carte qu'ils avaient en leur possession. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 5 de Lego The Hobbit. Et pour cet épisode 5, je ne suis pas toute seule. Bonjour, bonjour. Tu l'as fait à la Emmanueli? Non, pas du tout. Tu l'as fait exprès? Oui. D'accord. Pour être dans le thème. Pourquoi? C'est quoi le thème? Ta c'est chaîne. D'accord, mais c'était quoi le rapport entre le Hobbit et Emmanueli? Ressemble à un hobbit, je ne sais pas. Genre, non, elle ressemble à un elfe. Elle ressemble à un elfe, elle pourrait ressembler à un elfe. Bref, du coup, tu vas appuyer sur un jour, sur un info. Voilà, bonjour. Ok, donc voilà, donc au moins vous voyez un peu le jeu en version multi. On ne peut jouer que à deux, pas plus. Et en local, je crois. Oui, et en local, on ne peut pas jouer en réseau. Donc, dommage d'ailleurs. Oui, c'est dommage, mais en même temps. Ça serait un peu compliqué, je trouve. Donc là, tu joues Gandalf et moi, je joue Thorin. Oui, alors il faut préciser que j'ai enfin vu les films et compagnie, moi, de tout ça, parce que... Oui, parce que quand je l'ai connu, il connaissait pas Le Seigneur des Anneaux, il connaissait rien. Bah, je connaissais, mais j'avais jamais regardé, j'avais jamais voulu regarder. Et du coup, ah, voilà. Et du coup, on se la ferme. Gandalf, Seigneur Elrond. C'est étrange que des orques s'approchent si près de nos frontières. Quelque chose ou quelqu'un les a attirés par ici. Ah, il se peut que ce soit nous. Bienvenue, Thorin, fils de Thrain. Il ne me semble pas vous connaître. Et que faisiez-vous sur la grande route de l'Est? Trostaïn, Tolkoz. Zuranimid. Sjörnar Gisovaxin. Gisgobdi, Branigostil. Nos affaires ne regardent pas les elfes. Au nom du ciel, Thorin, montrez-lui la carte. Erebor. Ah, Cirith Ithil. Des ruines lunaires. Sauriez-vous les déchiffrer? Bon, du coup, bah, comme vous le voyez, nous sommes à Foncombe. Nous venons. Je parle bien la France. Nous venons de rencontrer Elrond, qui est donc un elfe et qui est. Bah, Thorin n'est pas très gentil avec les elfes, que voilà. Parce que les nains et les ouais. Elfes, c'est pas copain. Même si les elfes, c'est mieux. Oui, évidemment. Les elfes, c'est mieux, j'aime pas les elfes. Débat, qui vous préférez? Non, mais les trois quarts des gens, ils disent qu'ils préfèrent. Oh merde, je tape un gars. Donc toi, t'es déjà parti en train de faire les trucs, okay. Je récupère des trucs. Et tu m'as pas répondu, les trois quarts des gens? Les trois quarts des gens préfèrent les elfes. Ah bah quand même. Certains préfèrent les nains quand même, parce que y a quand même des gens. Oui. Et les trois quarts. Ça, c'est parce qu'ils sont petits, ils osent pas le dire. Voilà, c'est ça, ils n'assument pas leur taille. Voilà. Donc du coup, nous avons une carte pour aller à Erebor. Erebor. Et du coup, en fait, il va nous aider à la déchiffrer parce que c'est écrit en... En elfe? Ouais, en langage elfique. Ou alors je crois que c'est parce qu'ils doivent le montrer à la lumière de la lune pour se faire voir un truc comme ça, en fait, dans le film. Et du coup, on a besoin de lui pour déchiffrer la carte, pour pouvoir ensuite aller à Erebor. Alors, je t'ai complètement perdu, je récupère toutes les pièces que je vois. Au pire, t'as une carte, tu suis la traînée rose. Donc, on s'en fout des trucs à ramasser? Ça, tu pourras pas le ramasser, c'est un truc pour les nains. Ok. J'arrive! Moi, j'évite de tout ramasser, je ramasse quand même les gros trucs, mais bon, je ramasse pas tout en détail, parce que sinon, on a jamais fini. Alors, je m'excuse si je joue pas très bien. Toi, t'as fait le... Le... Toi t'as fait le jeu en entier, je sais pas si tu l'auras dit. Oui, je l'aurais dit. Moi j'ai dû jouer quoi? Une heure? Ouais, il a joué un petit peu. Voilà, donc d'ailleurs j'aime beaucoup. Et un truc que je vous ai pas encore dit, qui est quand même assez important puisque c'est un peu l'histoire,
c'est que le jeu s'arrête au deuxième film, en fait. Oui. Non, mais c'est vrai, ça a été la grosse déception du jeu, c'est que en fait, ils l'ont sorti avant la sortie du troisième film. Donc, on ne sait pas la fin, à la fin du jeu vidéo. Mais c'est ce qui a, tu m'as frappé, là. Oui, j'ai pas fait exprès. Ce qui est surtout d'hallucinant, en fait, c'est que... bah, qu'à la limite, ils sortent le jeu avant la fin du troisième film. Mais fous un DLC, ou même un autre jeu à acheter à la limite, si tu veux vraiment, mais même pas. J'ai regardé sur des forums et ils ne vont même pas faire une suite pour terminer le jeu. C'est stupide. Ce qui est totalement débile, quoi. Dans ce cas-là, il fallait peut-être y penser avant de sortir le jeu. C'est quoi le prochain Mario? On récupère les étoiles, mais on enlève Bowser, on fait pas Bowser à la fin. C'est un peu bizarre, je suis d'accord. C'est un peu la déception du jeu. C'est un peu, mais c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'en plus, quand tu commences une histoire, t'as envie de savoir la fin, donc c'est un peu débile. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les films et qui voudraient savoir la fin, je vous encourage à regarder les films. Voilà, on ne spoilera pas. On ne spoilera pas, mais du coup, vous serez obligé d'aller. Non, c'est pas là qu'il faut aller. Je sais pas où je te suis. On est perdu là. Plus je précise, moi j'ai pas le son du jeu, donc je suis vraiment hors contexte. On s'est perdu. Non, il y a une porte là. Non, c'est par là. C'est par là. Faut suivre les pièces bleues. Ok. Toi, tu peux récupérer des trucs. Oh, hein. J'ai ouvert un truc. Oui, c'est des portes qui s'ouvrent automatiquement. Va trop tard, je suis là où il faut. J'arrive. Mais vas-y, avance, c'est pas là. Ah non, je suis pas là encore. C'est par où? C'est par là. Comment ça se fait? Je te suis. Et après, il y a quand même des pièces, c'est individuel. C'est parce qu'en fait, les pièces là, c'est. C'est individuel. On ne peut pas les récupérer. C'est juste pour montrer le chemin. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait les récupérer à partir d'un moment, mais j'ai pas trop compris. Ah, moi je croyais que c'est les pièces bleues. Oui, c'est les pièces bleues. Ouais, enfin, c'est un peu c'est transparent. Les pièces bleues transparentes. Par contre, là, je vois pas où est le chemin. C'est ça? Non? Bah, il est où le chemin? Là. Ah, il s'était caché. Ah, sous la cascade! Très classe. Moi, en tout cas, j'aime bien les jeux Lego. Je m'étais jamais intéressé. Enfin, j'avais un peu un mauvais a priori dessus, je me disais bah ça fait très enfantin quand même. Je me disais ça doit un peu casser le délire du jeu de base et tout, puis bon, refaire un film, qu'ils mettent les musiques, les vraies voix et tout, mais en fait j'aime vraiment beaucoup. Peut-être que j'en ferai, ouais, tant que tu me piques pas ce que je veux faire. Non, juste le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Non, et parce que certains m'ont demandé si j'allais faire le Seigneur des Anneaux, je pense vraiment que je vais le faire. Attends. Tenez-vous près de la pierre grise quand la grive frappera, et le soleil couchant avec la dernière lueur du jour de Durin brillera sur la serrure. Nous devrons nous tenir au bon endroit et aussi au bon moment. Alors, et alors seulement, la porte s'ouvrira. D'aucuns estimeraient que cela n'est pas prudent. Dites-moi, Gandalf, pensiez-vous vraiment que vos plans et vos manœuvres passeraient inaperçus? Le dragon hante votre esprit depuis longtemps. Il y a plus à craindre que toute la malfaisance de Smaug. Une lame de Morgul. Il parle d'un nécromancien qui vivrait à Dol Guldur, un sorcier qui... ramènerait les morts à la vie. Gandalf, Sauron a été vaincu. Un tel pouvoir n'existe pas en ce monde. La question de cette compagnie de nains, toutefois, me trouble au plus haut point. Seigneur Elrond, les nains sont partis. À l'instant. Donc, comme je disais, avant que il... Ah, t'es devenu Bidule. Je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle jamais de son nom à lui. Là t'es malin. Voilà. Comme je disais avant qu'il lance la cinématique, je vais faire le Seigneur des Anneaux. Parce que ça va dans la continuité De l'histoire. Ouais. Et sachant que je préfère le Seigneur des Anneaux au film Le Hobbit, c'est plus logique de le faire ça. Et je pense sérieusement après à faire les Harry Potter. Il y a... quoi? Je me suis cassé la gueule comme une merde. D'accord. Il y a deux, il me semble qu'il y a deux jeux qui regroupent, ils font moite-moite en fait. Je crois qu'ils font la un, première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, un truc comme 8. Ça. Ouais. Du coup, je pense vraiment faire les Harry Potter parce que c'est quand même, avec le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est l'un de mes sagas préférés. Mm-hmm. Donc, voilà. Ça promet de beau let's play. Voilà, tout à fait. C'est bizarre, faut grimper, on est d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais parti dans le mauvais sens. En fait, les moments comme ça de jeu où tu peux aller à droite à gauche, c'est pour faire toutes les quêtes annexes en fait. Ouais, après l'histoire. Ça te laisse le temps de faire la quête annexe avant de te lancer dans un autre truc de l'histoire. Ouais, t'as du mode libre, ouais.
D'accord, très bien. Et comme on a vu dans la cinématique, dans Le Hobbit, on voit les nains qui essayent de reconquérir Erebor. Mais il y a aussi, à côté de ça, l'histoire avec Sauron. Puisque Gandalf... Attends, je vais éviter de lancer la cinématique. Gandalf se rend compte que Sauron n'a pas été vaincu pendant la première guerre entre les hommes, les elfes et Sauron. Et du coup, on va enquêter. Mais du coup, on ne saura pas vraiment le de quoi du qu'est-ce, parce que c'est dans le 3 qu'on le sait le plus, et que comme le 3, comme je viens de le dire, n'est pas dans le jeu, on ne saura pas. Au pire, genre à la fin ou quoi, tu mets un message, genre quand t'es à la fin du jeu, tu fais une petite coupure, tu dis à partir de maintenant il peut y avoir du spoil, et tu racontes, tu vois, pour genre... Non, bah j'ai pas raconté le film, ça sert à rien. Non, pas le film, mais genre le dénouement pour ceux qui se poseraient des questions et tout. Bon, je sais pas, bon bref. Bah c'est plus intéressant de voir les films. Hein, certes. Refusant de se laisser dissuader par les elfes et le Conseil Blanc, les nains reprirent leur long voyage en direction de la montagne solitaire. Leur route les fit franchir la haute passe où le ciel se mit à gronder. Prenez garde ! Et là, c'est pas... Ah si, j'allais dire, c'est pas séparé en deux. Alors là, du coup, on est de... Toi, t'es ceux du bas, du coup? T'es pas avec moi? Je suis avec toi. T'es avec moi, quoi? Ah non, je suis en bas. T'es en bas. Ah bah, du coup, on va pouvoir faire les trucs simultanément, ça va être plus sympa. Oui. Bah si, ça sera plus sympa. Est-ce que j'ai celui avec son arc? Je crois pas. Alors attends, c'est moi, j'essaie de voir ce que je dois faire. Donc, du coup, là, on est séparés en deux groupes. Du coup, c'est plus pratique qu'on soit deux. Ça tombe bien. Ouais. Comme ça, on va pouvoir s'entraider pour... Je peux aller là. Ah là, il faut que je sois à deux. Oui, bah là, faut que tu prennes... Non, mais là, t'es obligé d'être un nain déjà. Ah. Parce qu'il n'y a que les nains qui peuvent faire ça. Et tu prends un de tes potes en appuyant sur B. Non, tu vas près d'un nain. Ouais, mais... Tu vas près d'un nain et t'appuies sur B. Voilà, et là, okay. Tu t'allies. Et là, tu vas pouvoir appuyer sur X. Mm-hmm. Voilà. Je découvre. Du coup, ça me ralentit aussi quand tu fais ça. Hop. Ouais, il faut. Très bien, on avance nous. Voilà, avancer pendant que nous on fait notre truc. Et surtout qu'en fait. En gros, là c'est totalement deux choses différentes. Mais nous. Non, nous on est au bout, nous on peut rien faire, je crois. Là j'ai besoin de lui. B. Hop. Ouais, grimpe. Hop. Là c'est la coopération encore. Alors, moi j'ai une espèce de câble. Je suis pas sûr de ça. Ah mince, j'ai pas le truc. Peut-être moi qui l'ai. Il manque le bidule. Ouais, faut que Gandalf n'est pas là. Ouais, je suis lancé faire comment là? Il est où le bidule? Peut-être que c'est moi qui dois te l'amener le bidule. Je sais pas. Voilà. Mais moi j'ai rien chez moi là. Il est peut-être coincé. Si tu vois des squelettes. Ah non, c'est bon, il est là. Si tu vois des squelettes, casse-les. Ça rapportera un butin si on a les 5. Mm-hmm. C'est bon, je l'ai trouvé. Ok. Non, parce que moi pour l'instant je peux rien faire. Ouais. Tu peux... Oui, c'est parce que c'est moi qui dois te débloquer en fait. Mais j'ai une espèce de catap. Enfin, de ouais, grille, non, mais. Là, je vais te débloquer la route. Débloque-moi! Regarde. Là au bout aussi. Ah! De l'autre côté! Les gars, de l'autre côté! Voilà. Oh! Mais... Il y avait un squelette, je sais pas s'il fallait le casser celui-là. Et donc, oui. Attends. Peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire, je crois. Il me proposait B tout à l'heure, mais. Regarde. T'as fait B. Oui, c'est ah, parce ça que est, toi, ça marche. Avec ce truc-là, t'es ok. Obligé, voilà. Mais parce qu'en fait, des fois, faut maintenir, des fois pas. Oui, des fois, okay. C'est un peu compliqué. Ah, d'accord, et maintenant je construis. Oui oh, là, du coup, je suis bloqué aussi, non? Bon, j'avance, moi. Je crois que je suis bloqué, faut que j'attende que je fasse. On va voir, attends. Alors, attends, tiens, déjà, j'ai la B. Faut que tu te maintiennes B pour reconstruire le truc. Ok. Voilà, c'est toi qui me débloque le. Enfin, what? Comment j'ai fait ça? Je sais pas. T'as fait tomber un truc qui. Pourquoi pas? Ouais. Ok, là donc là je dois esquiver les rochers qui tombent, je crois. Bon courage! Je suis tranquille.
Ah, bah je suis bloqué. À quoi qu'il y a des squelettes. Non, c'est bon. Là, tu peux miner. Hein, ouais, alors attends. Là, je prends des squelettes. C'est pas ça que je voulais faire. Tu peux miner, comment je mine? Faut que tu prennes la personne qui a cette arme là. Je sais pas si tu l'as. Bah non, je crois pas. Non, je crois pas. Oh là, oh. C'est moi qui t'ai fait ça. Je me demande si je fais ça tout simplement. Sac à dos. Ah, t'en as que deux, toi, de personnages? Ouais, j'en ai que deux. Fais personnage supplémentaire, là. Non, là, tu peux choisir ce que t'as avec toi. Ah, oui. Et oui, mon gars. Alors, du coup, on m'explique pas. Du coup, moi, je veux... Non, toujours pas lui. Je veux... Bon, pendant cela, je mine. Hein. Je veux lui, voilà. Lui, il a une hache. Bref. Mais c'est pas une hache qu'il me faut. Ah, peut-être... Non, c'est moi qui l'ai celui-là. C'est parce que c'est un truc à miner. Regarde, il n'y a que moi qui peux miner les trucs là. Donc, très bien. Tomber, c'est pas grave. Tout ça pour ça. Ouh, purée, j'ai failli me faire écrabouiller par un rocher. Ah, mais... Non ! Non, mais c'est pas grave, tu revis. Tu I'm dead. Ok. J'arrive devant une porte. Étrange. Ah, il faut qu'on soit à deux. Non, non. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, t'en sors. Oui. Très bien. Ouh. Attention. Calme. Je sais pas trop ce que je dois faire encore après. Attends, c'est peut-être à moi. Ça, je peux toujours rien faire ici. Je casse quand même vite fait voir s'il y a. Ah bah je crois qu'il y a des choses là. Ah, mais c'est pas moi qui. Est-ce que je peux casser ça? Non, ça c'est pour les magiciens. Ah, donc bon. On n'a pas le personnage qu'il faut. Moi j'ai bien le gros bras là, avec sa grosse machin. Ah, attends, je vais sûrement débloquer quelque chose. Très bien. Je crois qu'il faut que vous avanciez encore. On fait comme on peut nous. Hein. On est bloqué en bas. Hop. Ah, attends, on me propose de reconstruire un truc encore. Ok, je construis une petite nacelle. Ok, j'ai eu le butin. On a eu tous les squelettes. Et oh, et moi j'ai un gros coffre. Mais ouais, mais je sais pas du tout comment ça s'ouvre par contre. Bon, bien dans ce cas. Des aides. Je grimpe. Tu peux m'en remonter? Attends. Une chose à la fois. Alors, en fait, c'est nous qu'on vous attend. Des aides. Hein. Finalement. Pour l'instant, je vais tenter de voir si j'ai pas un garçon qui pourrait ouvrir ce coffre. Un garçon? Ouais, j'ai pas de fille. Non, c'est moi. Ah, c'est peut-être en faisant tomber un truc dessus qui va s'ouvrir. Je sais pas trop. Hop, j'essaye tous mes persos, voir s'il y a une interaction possible. Ouh, Thorin, qu'est-ce que tu fous là-bas? C'est Thorin que j'ai? C'est pas Thorin. Non, c'est un qui ressemble à Thorin. C'est le copieur. C'est pas celui qui tombe amoureux de l'elfe? Chut! N'ayez pas de spoil! Bon, au pire, ils savent pas de quel elfe je parle. Alors, là, je vais devoir construire un truc, donc je pense que c'est pour t'aider. S'il vous plaît. Hop, attention, ça va changer de machin. What the fuck? Oui, ça c'est les trucs à construire. Mais non, je voulais celui-là. Mais j'arrive pas à le prendre celui-là. Mais il me fait quoi? Essaye toi. Je fais quoi? C'est toi qui fais. Et je dois prendre lesquels? Ceux qui trouvent. Peut-être c'est un chacun. Je trouve. Attends. Peut-être c'est un chacun. Je croyais que c'était seulement les trucs verts, moi. D'accord, j'avais pas compris le principe. Faut trouver le bon. Là, par exemple, fait. Ouais, là, c'était. On perd de l'argent. Oui, on perd de l'argent parce qu'on a été trop long. C'est dégueulasse. Et oui. Ça, c'est toi. Ok, moi, je suis sur la diagonale, en fait. En fait, toi, tu fais que celui-là. Moi, je fais le reste. Et il se passe quoi si on a plus d'argent? Bah, on les gagne. Mais c'est des trucs en bonus, en fait. Tu vois, c'est des pièces. Oh, du coup, ça rapporte en... D'accord. Non, c'est pas notre argent qu'on perd. Hein. Ça fait peur ce jeu. Oula. Et donc tu vas ouvrir le coffre? Même pas. Et ouvrez moi mais je suis... What? Je suis... Vous avez un coffre mais vous avez... Mais ils sont revenus en arrière. Ah.
Voilà. Ok, donc voilà, on est rejoint. On s'est rejoint. On s'est rejoint. Il y a un truc à faire, la baie. Ouais, c'est la sauvegarde. Ah. Tu peux sauvegarder, c'est... Je me permets. Donc on est sur le rocher, là, tout va bien. Ouais. Ouais. Attends, là, il faut récupérer un truc, mais je sais pas pourquoi. Bah, prends-le. Bah, on oule ici. Ah, c'est pour le lancer, là, ok. Hop. Ok, d'accord. Et là, faut reconstruire. Oui. Hop. Vas-y, on dort. Merci. Bon, du coup, les autres, ils vont grimper tout seul, hein. Ouais, bon, les autres... Ils font leur life. C'est pas trop grave. Ah oui, d'accord, on doit monter tout en haut. Ouais, ouais. Oh, très bien. Et tu vois, c'est cool parce qu'on voit vraiment le truc où on est sur le géant. C'est génial, mm-hmm. Je trouve. C'est bien fait. C'est Oula. Plutôt bien fait. Hop. Bah, là, il faut faire... Je te laisse passer. L'attaque spéciale. Hop. Ça penche de plus en plus, hein. Je dis ça. Ah, là, j'ai besoin de machin. Alors, c'est lequel? C'est le chauve. Lui. Vas-y, le chauve. Hop là. Ok, je casse ça. Mais on monte pas, là, c'est l'arnaque, hein. Là, on avance tout droit, là. Avec oui, mise. Oui. Il y a qui se battent, en plus, tout va bien. Ouais, non, mais c'est... Ils font ça dans le film? Ouais. Je me rappelle plus. Si. Ça dure pas aussi longtemps. Non, bah attends. C'est qu'un passage. Cours. Mal de mer. Alors. Cours, Hamster X. Pardon. Excusez. Tu me casses un peu les. Oh bah. Faut le lancer où? Là-haut. Ah bah alors quand ça voit pas, hein. Là-haut, là au-dessus de moi. Bah non. Là-bas en haut. Ouais. C'est pas un petit peu trop haut? D'abord, il faut peut-être pas, faudrait peut-être pas faire lui ça. Si, peut-être, si. C'est ça, ah, je X. pense d'abord. Ok. Ah, voilà. Ah, là. Je m'accroche à toi. Voilà. Et là, maintenant. Là, faut reconstruire. On reconstruit. Voilà. Pardon. Mais c'est pas possible, mais on... Il faut prendre le bidule. Oui, mais comment on monte avec le bidule? Faut que tu me l'envoies et ensuite comment je l'envoie? Attends, je grimpe avec. Ah, on peut grimper avec. Non. Si, ok. J'allais dire. C'est très aléatoire. T'es mou. Mais au virage. Ça me tape depuis tout à l'heure, j'ai plus qu'un cœur avec tes coups. Hein. Pardon. T'es pas toute seule. Tes. Donc quand je te frappe, ça marche pas évidemment. Bah non, grave. Ça te prendra. Quand on fait une action, ça marche pas. Ok, on est en haut là. Quasiment, hein. Ouh là. Vachement. On doit monter jusqu'à sa tête. Pourquoi j'ai appuyé sur X? Je sais pas. Bonjour. Moi. Pourquoi je suis là, moi? C'est pas du jeu. Ouais, mais t'as changé de personnage, non? Non. Attends. Ça me l'a changé tout seul. Sur X, j'appuie, j'ai cassé ça. Comment je grimpe? Par là. Ok. Vite. Vas-y, moi j'avance pas un instant. Oula, ça dure. Je récupère les trucs qu'on a loupés. Yep. Oula. Oui, c'est normal, une petite scène. Voilà. Je t'attends. Pardon, je t'attends là. Ah, ok, on est sur la main là, sur le bras. On avance bien là. Oh yo. Oh mon dieu, il va nous. Ah non, faut attaquer là. Go. Faut être à deux. À deux là, tu penses? Je crois. Allez! Sorry, ils vont avoir le mal de mer pendant combien de temps? Mais wesh! Faut que ça va faire? C'est bon, oui! Tiens, alors. On va deux. Appuie sur B. Go! Et j'ai pris le coup, hein. Hop! Yeah! Puis il est en train de se faire démolir! Sauter! Donc, depuis tout à l'heure, on les avait toujours pas rejoints, on était toujours séparés. C'est juste que tu jouais un avec moi, du coup. La biquette. Elle a quelle biquette? Je sais pas, il y avait une biquette. Une pauvre biquette. Phew. C'est pas qu'elle. Oui. Ah, la biquette. Allez, mon gars. Je sais pas qui est lequel de nous deux c'est. Je sais pas. Là c'est moi. Là c'est toi.
Il faut trouver un abri. Yeah. C'était pas long au final. Non, j'en ai bien sorti. Comme, ouais. Comme des pros. Tout à fait. Bon, au final, c'est bien tombé que qu'on fasse un truc à deux, vu qu'on, oui, était, vu séparés, qu'on était séparés. Bon, après, quand on, en fait, t'as rejoint un des gars de mon groupe. Ouais, après, mais... parce que les autres, ils faisaient plus rien pendant ce temps-là. Ouais. Mais non. Non, mais c'était sympa. Ok. Et on l'a fait. Oh non, on a raté plein de trucs. Ouais. Bon, c'est pas grave. On a eu ça. Les mini-kits. Très bien. Bon, bah voilà. Tu débloques la suite. Quoi ? Tu débloques la suite ? Oui. Et petite précision, dans l'épisode d'avant, je vous avais demandé si vous préfériez la mini-cinématique qu'il y a entre les chapitres, si vous la préférez à la... Okay. Au début ou à la fin, et vous m'avez tous dit que vous préfériez l'avoir au début, puisque ça vous remettait dans le bain, dans l'histoire, et savoir où on était. Donc du coup, je recommencerai... Normalement, pour cet épisode-là, j'aurais fait ça. Et pour les épisodes précédents, je ferai pareil, du coup, au début. Et bah du coup, on va se laisser là. Oui. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé que Julien le fasse partie de l'aventure, cet épisode. C'est un plaisir, je reviens quand tu veux. Oui, voilà. Et puis, laissez un commentaire si vous avez envie. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir, au revoir. Non, c'est... Non, elle dit pas au revoir, au revoir. J'en sais rien, moi. Elle fait ciao. Ciao. Des bisous.